C'est un nouveau concurrent pour le jambon beurre. Après le hamburger, voici le bagel. Ce petit pain trouvé au milieu fait un malheur depuis quelques mois pour la pause déjeuner. La consommation a doublé en 2 ans. D'où vient cet engouement? Réponse de Marie Fortunato et Mathieu Mandoulet. Kimchi, salade, poulet, tomate, cornichon. Ce n'est pas la composition d'un sandwich, mais d'un bagel. Un petit pain brioché troué au milieu, beaucoup plus dense que la baguette ou le pain de mie. En 3 ans, il s'est imposé sur le marché français. 150 millions de bagels mangés en 2014. Cette année, les ventes s'envolent, plus 67%. Ça change de la baguette. Voilà. C'est la même chose, c'est pas le même goût. Puis il y a beaucoup plus de variété qu'une baguette normale. Ouais, aussi. En soi, c'est des ingrédients normaux en fait, mais les ingrédients mélangés avec de la sauce, le pain et tout, ça fait vraiment un vrai bagel. Quatre grands réseaux de restaurateurs occupent la majorité du secteur, auxquels s'ajoutent quelques indépendants. En tout, près de 300 points de vente. Désormais, même la grande distribution les commercialise. Une accélération qui est quand même fulgurante, puisque aujourd'hui, on est sur des croissances de 150 à 200% par an sur les 2-3 dernières années. Alors, on part de rien du tout, c'est vrai. On est encore très très loin du burger ou du sandwich. Cette chaîne de bagel profite de cet engouement. En un an, son chiffre d'affaires a doublé. Elle mise sur la variété des ingrédients, du pain. Nature, sésame, patiné, papou, céréales, échalotes ou complètes. Sésame, monsieur. Et la fraîcheur. Plus de 13 000 bagels sont fabriqués le jour pour le lendemain dans ce laboratoire. Le bagel en France est vraiment délicieux, le pain est meilleur et en fait je ne mange pas de bagel chez moi au Canada, juste ici. Pourtant, le Canada, c'est l'un des pays du bagel avec les États-Unis et notamment New York. Mais selon la légende, c'est en Europe de l'Est que le bagel serait né au XVIIe siècle. C'est un produit qui a été importé très très vite par les juifs ashkénazes qui sont allés s'installer outre-Atlantique et qui ont développé le bagel et qui est devenu l'équivalent, encore une fois, de notre jambon beurre. Le bagel français coûte 10% plus cher que notre sandwich traditionnel. Il peut être aussi plus difficile à digérer. Il est vraiment lourd, j'ai tout mis, quoi. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Le bagel, c'est le plaisir de manger avec les mains, mais compliqué de le déguster proprement.